Une recette impertinente, pour moi, c'est une recette qui propose un regard audacieux sur un terroir. C'est une recette qui propose en fait un caractère, une identité culinaire en mettant en valeur un produit avec de la simplicité, avec l'aspect visuel bien sûr, et puis une expérience gustative qui pourrait nous faire voyager. Si je devais participer cette année au concours Aquitaine Terre de Génie, je serais partie sur du veau. Rôti de veau laqué avec un caramel de safran et puis avec des condiments qui accompagnent un peu au wok en fait, avec des carottes, des sables, des cèpes, des poivrons. J'aime cuisiner d'une façon générale tous les produits de la Nouvelle-Aquitaine, surtout quand c'est de saison, ça fait partie de ma démarche aussi de consommation. J'utilise le piment d'Espelette quasiment dans toutes mes recettes. J'utilise la pomme du Limousin plutôt en fait en condiment, enfin en accompagnement d'une viande. J'utilise le safran de l'île de Ré en pâtisserie. Et j'ai un petit faible, effectivement, pour le magret de canard que j'adore cuisiner, que je peux flamber au whisky, au cognac, à l'armagnac. Pour être sélectionnée au concours Aquitaine Terre de Génie cette année, je conseillerais aux participants de faire de jolies photos, des photos qui nous donnent envie, qui nous font voyager. Je dirais aux participants qu'il faut qu'ils soient d'abord originaux. J'entends par là effectivement des recettes qui soient surprenantes, des associations incongrues par exemple. Qu'ils soient créatifs et puis qu'ils soient audacieux. Effectivement, le thème du concours enfin, reste quand même l'impertinence, mais on attend vraiment de l'audace dans cette prise de risque de façon à ce qu'on puisse juger du caractère en fait, du participant uniquement à travers sa recette.